Salut à tous, c'est Linkos. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'une review de l'épisode 8 de Koh-Lanta, les armes secrètes. Et oui, alors, petite review, hein, j'avais dit que j'en ferais quand je pourrais, quand je voulais. Et puis là, je me suis dit, allez, pourquoi pas faire une petite review de cet épisode, hein, ma foi. Quand même, il y avait des choses à dire, hein. Eh mon dieu, le cas Myriam et Tom, mon dieu, mon dieu. Et, ah là là, bon, j'allais dire un truc, mais si je vais le dire, à savoir que, en dehors du jeu, bah, ils sont en couple, et bon, bah, ça m'étonne pas, hein. Et qu'ils se ressemblent, ça semble. Bref, excusez-moi. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez pris du plaisir à regarder le dernier épisode de Koh-Lanta, hein. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans cet épisode. Alors, il y a eu la partie, avant le confort, hein, Myriam et Thomas, parlent ensemble, du coup, regrette quand même, Myriam, elle regrette que, malgré tout, Shanice, elle n'ait pas écouté Vincent de voter Magali, parce que, du coup, ça fait que ça a précipité quand même la chute de Shanice, et dans ce cas-là, ils ont pas bien joué leur stratégie, ils auraient dû écouter Vincent, et après, peut-être, proposer vraiment Laure et... ou Maxine, voilà, quoi. Parce que, bon... peut-être à la fin, quoi. Enfin, peut-être plus tard. Après, voilà, Vincent avait un pacte avec eux, aux ambassadeurs, donc c'est normal. Ils voulaient pas trahir Laure et Maxine, parce que... ça aurait été chaud, quand même. Ça aurait été chaud. Après, bon, ça fait quand même plus de gens mis à dos que Laure et Maxine, mais bon, pour le jeu de Vincent, c'est vraiment chaud, c'est vraiment chaud. Il essaye de bien jouer, mais ça va être chaud. Si jamais il va en finale, ça va être chaud pour lui de gagner, parce qu'il y a à la fois les jaunes et à la fois les rouges, et... enfin, voilà, quoi. Donc, voilà. Ensuite, Myriam part à Vincent, même si... elle comprend pas, parce que elle considère ça comme une trahison. Mais lui, Vincent, enfin forcément, tu lui mets le couteau sous la gorge. Thomas, il dit, la prochaine fois tu gicles. Enfin forcément, il va me... comment veux-tu qu'on réagisse? Non. Mais Thomas, lui, il y va en mode bourrin, il manque de tact. Mais c'est un truc de fou, hein. C'est fou. Limite, c'est pire que Mathieu, hein. Non, mais sérieux, hein. D'ailleurs, Mathieu, il était surpris également, mais bon, ça, c'est comme ça, hein. À la résidence du jury final, de voir Shanice venir. Mais voilà. Donc, on arrive au jeu de confort. C'est une épreuve en équipe, mais, comme dirait Denis Brognard, l'individuel va être mis au service du collectif. Donc, qu'est-ce que c'est l'épreuve? C'est l'épreuve des tables à bascule. Cette épreuve très stressante où il faut reculer petit à petit tout en tenant une espèce de corde qui relie une table qui peut basculer, justement. Il faut la faire tenir en équilibre et il faut empiler 6 pièces. Donc, il y a eu 2 équipes composées de Vincent et de Magali. Alors c'est l'équipe de Vincent qui ont gagné, hein. L'équipe de Magali ont eu vraiment du mal, hein, surtout elle-même Magali, et Arnaud, qui est pas forcément fait pour ce genre d'épreuve, qui nécessite beaucoup de dextérité. Arnaud, lui, lui c'est pas le pro pour ça. Mais bon, c'est pas grave, hein, de toute façon c'est comme ça. Et il y a une personne dans tout ça qui n'est pas choisie, et c'est Lucie. Alors Lucie, le truc c'est qu'elle le prend très mal, parce qu'elle sent qu'elle a pas fait ses preuves. D'un côté, j'ai envie de dire que c'est vrai, parce qu'elle a pas montré non plus beaucoup de choses. Mais le truc, elle reproche le plus aux jeunes, parce que ils sentent qu'ils sont unis et tout ça. Enfin voilà, quoi. Du coup, voilà,
Lucie, elle est vraiment très 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 déçue et elle commence, ça commence à faire tilt dans sa tête, surtout avec l'arrivée des rouges, du retour des rouges sur le camp. Arnaud, encore une fois, il va travailler sur elle comme il l'avait fait également avec Vincent dans l'épisode dernier et il lui dit que bah après l'épreuve de confort, ils étaient tous unis et qu'il regrettait pas son choix quoi. Ce qui fait que bah forcément là ça fait vriller Lucie. Et bon, je l'ai pas dit mais entre-temps, elle a trouvé une arme secrète, le détournement de vote hein, qui sera forcément utile hein, qui sera forcément utile. Elle l'a pas utilisé lors de cet épisode, ce qui était normal hein. Donc voilà, qu'est-ce que j'allais dire du coup ? Donc ouais, Arnaud, il rallie à sa cause Lucie, hein, tout simplement. 2-1, au moins, ça fait que les rouges sont un peu plus nombreux, et 2-2, eh bien, ça sent mauvais pour Thomas et Myriam, hein, mais voilà. Mais la vie est belle. Les jeunes ont gagné, ils sont dans une villa. Alors, franchement, la villa, elle envoyait, hein. On pouvait se détendre dans une piscine, se regarder dans une glace pour voir l'étendue des dégâts, hein, évidemment. On pouvait également se doucher, se bichonner, enfin, se faire beau, quoi. ils ont mangé un petit peu des fruits et tout ça. C'était un très 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 bon confort, et ils ont bien dormi. Donc, que demande le peuple ? Enfin, voilà, quoi. Et après, voilà, le lendemain, on... du coup... Les rouges sont toujours à la villa, les jeunes, pardon, sont toujours à la villa, hein. Il y a une petite discussion entre Vincent et les jeunes, hein, également. Mais Vincent, enfin, tu sens que, bon, il en pense pas moins, mais toi non plus, il joue l'hypocrite aussi, il joue l'hypocrite en disant, bon, on est une famille et tout ça, on se pardonne tout, et... Mais non, non, non. Mais en derrière, le truc, c'est que Thomas, il supporte plus du tout Vincent. Eh oui. Et donc, voilà. Arrive l'immunité. Bon, ouais, cette review, elle est... Je vais pas la faire hyper longue, mais voilà, je résume le principal. Arrive l'immunité. Et donc, l'épreuve, elle se fait toujours. Enfin, c'est plus individuel, mais... c'est composé de deux équipes. C'est un peu bizarre. Et dans les deux équipes, tu peux gagner l'immunité. Enfin, c'est une confrontation dans des équipes, en fait. Donc, il y a toujours l'équipe de Vincent, qui d'ailleurs est rejoint par, comment elle s'appelle ? Bah, Lucie, justement. Elle, malgré tout, Lucie, elle choisit les jeunes pour peut-être pas trop éveiller les soupçons envers surtout de Myriam et Thomas. Voilà, donc elle rejoint l'équipe de Vincent. Et il y a toujours aussi l'équipe de Magali. Et du coup, la première gagnée, c'est Maxine. Félicitations à elle, hein, qui gagne l'immunité. D'ailleurs, lors de l'épreuve de confort, elle était également arrivée première hein, de son équipe, donc vraiment... Enfin, c'était Laure ou Maxine, je ne sais plus. Et Laure, elle avait fait aussi une bonne prestation. Hein. Et du coup, Laure, elle finit aussi deuxième sur l'épreuve d'immunité. Donc, elles se suivent vraiment. Comme elles le disent, que ce soit au niveau de l'affect, de la stratégie, mais aussi dans les épreuves, ce qui est assez fou. Hein. Ce qui est assez fou. Et du coup... Ensuite, il y a deux rouges, qui finissent après Maxine, c'est Laure et qui d'autre, peut-être Jonathan, je ne sais plus. Et la quatrième à finir, c'est Laetitia, et donc c'est une jeune, et c'est la première jeune. Donc, elle gagne aussi l'immunité, ce qui est un petit peu incroyable, j'ai envie de dire, parce qu'on
s'attendait pas forcément à Laetitia, et Laetitia, bah, en cette fin d'épisode, elle s'est quand même un petit peu plus, moins laissée faire, parce que tu sens qu'au niveau de sa diction, Laetitia, elle parle comme ça, tu vois, il faut la pousser de l'avant et il faut qu'elle ait confiance en moi, parce que moi, je n'ai pas trop de confiance en moi. Hein. Enfin, voilà, mais c'est pas mal ce que je dis là, mais c'est une constatation, surtout. Et du coup, bon, je vais aller vite. Ceux qui reçoivent un vote supplémentaire, bah, ceux qui finissent dernier, malheureusement, ils reçoivent un vote supplémentaire, et il s'agit de Vincent et Arnaud. Bon, voilà. Et du coup, il y a le retour sur le camp. Le retour sur le camp. Thomas, il s'assure que Lucie, Laetitia, bah, ils sont toujours ensemble, ainsi que Myriam. Elle s'assure aussi avec Thomas. Et pour elle, ça devrait aller. Du coup, voilà. Mais il se méfie. Mais Thomas, lui, il est méfiant parce qu'il dit que moi, je ne sens pas trop Vincent et Laetitia. Il dit surtout ça parce que il remarque, je pense que Lucie, surtout Lucie, elle est plutôt complice avec les rouges et bah Lucie, voilà, là elle est vraiment elle-même, elle raconte sa vie et tout ça, enfin auprès des rouges et voilà quoi. Et du coup, pour pas éveiller les soupçons, enfin. Pour Myriam, pour pas qu'elle ait d'ennui, elle décide d'être au petit soin le soir, surtout envers les rouges et de leur parler tout ça. Elle parle même à alors, enfin Myriam, elle, de son point de vue, elle dit qu'elle a pas été trop là depuis la réunification, vu qu'elle a eu beaucoup de confort et tout ça. Mais je pense qu'elle se cache devant. Derrière cette excuse, surtout, parce que elle s'entendait vraiment surtout avec le quatuor jaune et elle était trop avec les jaunes dans sa tête. C'est ça le truc. Donc bon, elle dit les absents ont toujours tort, mais elle aussi, hein, elle a. Mais voilà, elle a tort aussi. Hein. Du coup, ce qui fait que Arnaud, Magali, surtout eux, ils sont... elle joue l'hypocrite. Hein, à nous appeler les petits chats, voilà, non, ça le fait pas. Du coup, voilà. Ah oui, entre-temps aussi, Vincent, bah il apprend que Thomas, il va voter contre lui. Eh oui. Du coup, il se rebelle et tout le monde se rebelle contre le duo Myriam Thomas et du coup au conseil, voilà, hein, le lendemain au conseil, c'est règlement de compte. Donc t'as Lucie qui fait part que il y a le noyau et les satellites. Ah ça m'a fait beaucoup rire, mais C'est vrai, il y avait le noyau dur des jeunes et les satellites qui s'entraidaient entre eux. Donc le noyau dur c'était le quatuor, Shanice, Myriam, Thomas et Mathieu. Et les satellites c'était aussi Flavio, Laetitia, Lucie et Vincent. Voilà. Donc ils s'aidaient mutuellement, mais le truc c'est que les rouges, ils sont là aussi. Et ils remarquent les failles également, et du coup, ce qui fait que Lucie et Laetitia, elles se sont rendues compte que elles étaient prises pour de la merde, qu'elles étaient servies de fusil, et qu'il y aurait aucune chance, et qu'elles voulaient pas continuer l'aventure dans cette ambiance-là. Et du coup, Myriam, elle comprend rien. parce que pour elle c'est des enfantillages et tout ça. Mais bon, je pense que le problème de Myriam, elle a pas assez parlé aux satellites, voilà. L'erreur de Myriam, ouais,
elle a été trop soudée aux jeunes, quoi. Et enfin voilà. Voilà ce que j'en pense. Et du coup, bah, elle le prend très mal. Sa sortie, c'est une catastrophe, mon Dieu. Mais c'est comme ça, hein. Et voilà. Du coup, il reste plus que Thomas. Elle est éliminée au conseil. Et il est bien seul. Je me demande comment il va s'en sortir vraiment, hein. Parce que. Le truc, c'est que. C'est vraiment compliqué avec Thomas. C'est vraiment, vraiment compliqué. Il parle d'hypocrisie alors qu'il a été hypocrite précédemment avec Aurélien. Enfin, ah, oh mon Dieu, ça, il y a pas grand-chose qui va avec lui. Ça, mais il peut pas gagner, il peut pas gagner Koh-Lanta. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà. La semaine prochaine, ce sont les destins liés. On verra ce que ça donne. Hein. Il va y avoir peut-être des surprises. Donc voilà. Eh ben, j'espère que cette petite review de Koh-Lanta, Les Armes Secrètes, épisode 8, vous aura plu. On se retrouvera pour d'autres vidéos de ce type-là, peut-être, hein. On verra bien. Enfin, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, hein. Et donc, voilà, on s'arrête ici, c'était Linkos. Bye tout le monde!